Il est temps de tout changer. À quoi je ressemble? C'est pas vrai, c'est excellent. J'adore cette chaîne. C'était quoi ça? Bouh! C'est bon, je peux finir mes céréales. Tu rigoles ou quoi? Ça faisait super peur. Je crois que tu as besoin de l'améliorer encore un peu. Pas besoin d'être méchante. Je vais te montrer. Allez, on s'y met. Je vais commencer par l'eyeliner. Ah! Regarde ça! Sérieusement? C'est ce que tu as de mieux? J'ai une machette dans ma tête. Oh, je ne vais jamais réussir à te faire peur, Gabi. Comment je vais faire? Attends, ces cotons-tiges me donnent une idée. Je crois que je peux m'en servir. Je vais commencer par enlever le coton. Et je vais couper le tube de plastique en deux. Je vais faire fondre le bout du plastique à l'aide d'une bougie. Comme ça, ça va le rendre plus malléable. Je vais l'appuyer contre la table pour obtenir un bord plat. Et maintenant, je l'ai peint à la bombe argentée. Et voilà, là, on va pouvoir s'amuser. Oh non, je suis chauve! Je rigole, mais il faut que je cache mes cheveux. Je vais me servir de cette peinture pour visage blanche. Je l'applique avec un pinceau de maquillage. J'en mets d'abord sur mes joues. Et ensuite, sur tout mon visage. Il ne faut rien oublier. Tu vas peut-être avoir besoin d'aide pour la suite. Peins également le faux crâne et l'arrière de ta tête en blanc. Ok, et ensuite? Oh, je sais! Je vais mettre des lentilles de contact noires et du rouge à lèvres noires. Ensuite, j'ai besoin de peinture pour visage rouge. Je vais prendre un petit pinceau de maquillage pour tracer une ligne fine de manière à délimiter le milieu de mon visage. Je vais en dessiner d'autres. Et ensuite, j'ajoute des lignes horizontales. Je vais d'abord faire ce côté et je les prolonge sur l'autre côté, sans oublier mon crâne. Maintenant, je peux coller les tubes de plastique. J'ai ajouté du faux sang au bout de chacun. C'est la petite touche finale. Plus qu'à enfiler le reste de mon costume. Si ça, ça ne fait pas peur à Gabi, alors j'abandonne. Ah, enfin rentré. C'était une longue journée. Je vais m'installer confortablement devant la télé. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ashley, tu es... Hein? Salut! Ha! Ah! Recule, vraiment! Tu es à moi, Gabi! Laisse-moi sortir, laisse-moi sortir! Je crois que tout est prêt pour ma soirée d'Halloween. Il faut que tout soit parfait. J'adore cette fête! Attends, c'était quoi ça, Gabi? Ah, tu m'as bien eu. Qu'est-ce que tu faisais derrière le canapé? Comment tu trouves mon costume? Il fait peur, non? Il est un peu simple. Ah bon? Je l'aime bien, moi. J'y ai passé du temps. Regarde ça. Ça, c'est un costume d'Halloween. Va te changer, tout de suite! Mais... D'accord. J'en étais où? Ah oui, le soda. Joyeux Halloween! Que la fête commence! Les filles, vous êtes là! Wouhou! Waouh, vous êtes toutes sublimes! Oula, elle fait peur ta main de démon. Je sais, je l'adore. Comment Ashley a-t-elle pu me dire ça? Grrr, elle se croit au-dessus des autres. Génial, plus qu'à nettoyer maintenant. Qu'est-ce qu'il pourrait m'arriver de pire? Attends, je crois que j'ai une idée. Une idée qui fait peur. Il me faut du latex pour commencer. Je vais le verser dans un bol et je l'applique à l'aide d'une éponge à maquillage. J'en mets sur un côté de mon visage. Comme ça. Et un peu sur mon front. Ça ira comme ça. Maintenant, je prends les flocons d'avoine. Je les colle sur le latex. Pas besoin d'être parfait. Ça va nous permettre d'obtenir la texture attendue. C'est bon comme ça. Et maintenant, je vais remettre du latex sur les flocons d'avoine. Comme ça, c'est sûr qu'ils ne tomberont pas. Maintenant, je prends un mouchoir. Je vais le déchirer en deux. Et je le colle sur mon visage. Je le fais glisser pour le mettre bien à sa place. Ça a l'air bien. J'ai besoin de mon fond de teint. Je vais en mettre sur les flocons d'avoine pour leur donner la même couleur que ma peau. Pareil avec le mouchoir. Je le recouvre entièrement. Et maintenant, je prends de la peinture pour visage noir. Je vais m'en mettre autour des yeux. D'abord sur la paupière inférieure, puis la paupière supérieure. C'est encore mieux que de l'ombre à paupières. Et maintenant, il faut rendre tout ça bien gore. C'est à ça que le faux sang va servir. Je vais en mettre sur les flocons d'avoine et le long du mouchoir. Le faux sang va rester bloqué par les flocons d'avoine. Et on aura l'impression que j'ai une plaie ouverte. Ça va être vraiment horrible. Je laisse la trace du sang qui coule pour encore plus de réalisme. Je crois que je suis prête. Je vais montrer à Ashley de quel bois je me chauffe. Et là, Kevin me dit qu'il aime mes cornes de diable. Quel séducteur! Il va peut-être passer plus tard. Et voilà! Ah! Ah! Regardez! Ça fait trop peur! Je n'ose pas regarder! Cette soirée est horrible! Je ne dirai pas ça, mais j'ai trop peur! Ha! Je les ai eus! Vous étiez toutes terrifiées! Gabi? Waouh, c'est impressionnant! Les filles, revenez! J'ai fait ça toute seule! Il faut qu'on prenne une photo! Souriez! Nanana! Mais, oh! Gabi! C'est moi qui suis censée être la plus populaire! Ça va être bon? Ah, quel délice! C'était incroyable! Dommage qu'il n'y en ait pas un autre! Je crois que j'ai un truc coincé dans la dent! Ça ne se voit peut-être pas... Je ferais mieux de l'enlever quand même.
Oh, des cure-dents. Parfait, ça. Débarrassons-nous de cette nourriture. Ah, ça n'a pas marché. Je retente. J'y suis presque. Dis donc, c'est vraiment bien coincé. Qu'est-ce que... Je ressemble à un porc-épic. Tu es là depuis combien de temps? Regarde autour de toi avant de jeter tes trucs. Tu as intérêt à m'enlever tout ça. Ou gare à toi. Ah oui, maman. Oula, elle était vraiment énervée. Aïe, ça fait mal. Oh là là, c'est pas bon ça. Aïe, satané cure-dent. J'ai une super idée. Je vais couper le bout d'un cure-dent. Je vais le retourner et je colorie avec un feutre noir. Ensuite, j'ai besoin d'une feuille de papier et de mon bon vieux pistolet à colle. Je vais mettre un petit point de colle sur la feuille et je colle un cure-dent dessus. Je fais ça avec tout ce que j'ai. Et maintenant, il me faut du latex. Je vais l'appliquer sur ma peau à l'aide d'une éponge à maquillage. Je vais me mettre du latex sur la joue. Il faut qu'il soit bien réparti. Ensuite, je prends un des cure-dents et je le colle sur ma joue. Il devrait tenir avec le latex. J'ajoute tous les autres. Ça devrait le faire. Il me faut de la peinture pour visage rouge. Je vais en mettre sur le latex. Il faut que ça recouvre le latex et la colle qui est au bout des cure-dents. Comme ça, ça ressemblera à une plaie ouverte. Ensuite, j'ajoute du faux sang. Je vais le mettre à l'aide d'un pinceau. À nouveau, j'en mets bien jusqu'à l'extrémité des cure-dents. Ça commence à être grave gore. Je vais en laisser couler sur ma joue. Ça paraît plus vrai. Je fais pareil sur ma main. C'est horrible, non? Chut, ne dis rien à maman. Maman! Elle arrive. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh non! Ta main! Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ma pauvre petite chérie! Il faut t'emmener à l'hôpital! Maman, fais quelque chose! Regarde ça! Oh! Oh là là! Ça fait tellement mal! C'est trop pour moi! Maman, ça va? Maman, réveille-toi! Hein? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Attends, c'était une blague? Gabi, tu vas avoir de gros problèmes! Il faut que j'aille en cours! Mais j'ai besoin de prendre un truc dans mon casier avant! Salut Ashley! Qu'est-ce que... Mec, t'es trop flippant! D'autres trouveraient ça mignon! Non, non, ça fait juste peur! C'était trop gênant! Non mais franchement, je t'aime! Oui, d'accord! Comment il a fait pour arriver là si vite? Et pourquoi ce sont toujours les intellos qui tombent amoureux de moi? Hein? Ça vient d'où ça? C'était toi? Du chocolat pour ma chérie! J'espère que tu penseras à moi en le mangeant! Je pense que je vais plutôt vomir! C'est une blague? Chris, tu as dessiné sur la table? C'est de l'art, un chef-d'œuvre. Je veux que le monde sache que l'on s'aime. Je n'en peux plus. Appelle-moi. Alors, on sèche les cours. C'est la fille de mes rêves. Je ne peux pas lui échapper. Il est partout. Oh, ça m'a donné soif de courir partout. Ah, ça fait du bien. Te voilà. J'aime beaucoup ce petit jeu qu'on joue du chat et de la souris. Non, c'est pas vrai. Waouh, je ne me laverai plus jamais le visage. Dans certaines cultures, ça signifie qu'on est presque marié. Tu peux embrasser le marié. Ah, il faut les empêcher de me trouver jolie. Je vais changer de look. Je vais commencer par me mettre du latex sur le visage. J'en mets tout autour de ma bouche. C'est plus facile de le mettre avec une éponge à maquillage. Ensuite, je vais coller un bout de mouchoir sur ma bouche. Voilà, je prends mon maquillage. Je prends mon fond de teint adapté à la couleur de ma peau. Je vais tapoter l'éponge sur le mouchoir. Je ne veux plus du tout le voir. Ça va être dur de parler comme ça. Du coup, je vais découper un trou dans le mouchoir. Je vais replier le mouchoir sur lui-même pour qu'on voit mes lèvres. C'est mieux comme ça. Maintenant, il me faut de la peinture pour visage noir. Je vais en mettre sur mes lèvres. Ça va être génial. Je vais le laisser sécher. Et maintenant, il me faut ce ruban. J'ai découpé des petites fentes dans le mouchoir. Comme ça, je vais pouvoir faire passer le ruban dedans. Mes lèvres sont cousues. Plus que quelques petites touches finales. Je vais ajouter du faux sang autour du ruban. On aura plus l'impression que ça me traverse la peau. Ça me dégoûte un peu. Et maintenant, je prends une grande éponge et je tapote mon menton et le contour de ma bouche avec. Ça permettra de dissimuler un peu mieux le fond de teint et le mouchoir et de rendre l'illusion plus réelle et plus effrayante. Je me demande bien si Chris aura encore envie de m'embrasser là. Tu ferais mieux de remettre tes lunettes. Merci. Hein? Allez, Chris, embrasse-moi! Ah! Maman, à l'aide! Oh, tu ne veux pas m'embrasser? Pfiou, c'était moins une. Oh, plus ennuyant que ça, ça existe. Et c'est pourquoi je l'ai appelée la campagne à Barbe à Papa. Les ventes devraient exploser d'ici février. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Allez, encore combien? Je sais! Commence par séparer ton visage en deux. Avec un crayon blanc. Puis passe au front. Maintenant, remplis le tiers supérieur avec du maquillage blanc. Ça peut prendre quelques minutes. Et peut-être plusieurs couches. Ensuite, passe à la partie inférieure. Et maintenant, c'est là que ça devient intéressant. On y va!
le rose d'un côté et le bleu de l'autre. Le jaune va autour du nez. Et continue de mélanger jusqu'à ce que tu arrives au cou. Super! Maintenant, mets du blanc sur un pinceau et dessine de jolis petits nuages. Ils peuvent être de tailles différentes. N'oublie pas le cou. Un peu de gloss sur les lèvres sera parfait pour finir. Alors, je suis belle? Tu ne pensais quand même pas que j'allais laisser ses yeux tels quels? Waouh! Ces lentilles blanches sont vraiment sensationnelles! Bon, je peux continuer? Waouh! Regardez-moi ça! Super! Heureuse d'enfin attirer votre attention. Et maintenant, régalons-nous. Faites-les venir. C'est tellement bon! Difficile de faire plus sucré. Waouh! Hein? Cool! Maman, regarde! Et dire que je lui faisais peur. Hein? Qu'est-ce qui sent mauvais? Oh non! C'est Zombie qui sent mauvais! Zombie doit trouver quelque chose pour aider. Il doit y avoir quelque chose dans la poubelle. Oh non! Zombie coincé par sac poubelle. Ouais! Zombie a trouvé exactement ce dont elle a besoin. Désodorisant va donner bonne odeur à Zombie. Ah! Beaucoup mieux! Zombie prête à aller à l'école. Zombie a besoin de parfum. Oh, Zombie marre de toujours même parfum. Zombie a besoin de quelque chose de mieux. Livraison pour vous, mademoiselle. Zombie a nouveau parfum comme ça. Beaucoup mieux. Hein? Quoi, cette odeur? Zombie va trouver l'origine. Oh, l'odeur vient de Zombie pauvre. Qu'est-ce que fait Zombie riche? Ah, Zombie pauvre a bon goût en matière de parfum. Échange parfum avec Zombie, s'il te plaît. Oh, bien sûr, Zombie contente d'échanger. Trop bien, Zombie a meilleur des parfums. Attends, ça n'a pas parfum. C'est désodorisant. Zombie sent comme toilette maintenant. Tu vois ça? N'y pense même pas. Cette palette de couleurs? Piétinée au sol sous mes bottes. Pas de maquillage autorisé. Oh, quelqu'un arrive. Ça pourrait être quelqu'un d'important. On peut avoir son autographe, s'il te plaît? Le site semble sûr. Aucune menace détectée. Incroyable! Elle est trop cool! C'est génial! Que se passe-t-il? Menace détectée! Attendez, attendez! Arrêtez, ce n'est pas ce que vous croyez! Menace neutralisée! Enfin! Oh, je ne peux pas croire que je doive enjamber cette personne! Où est-elle allée? Je veux son autographe! Merci d'être venu! Vous êtes tous mes meilleurs fans! J'envoie un baiser à chacun d'entre vous! Hein? Quoi? Oh non! Mon rouge à lèvres! Je déteste avoir les lèvres nues! Heureusement que j'ai un plan secret! J'ai juste à retirer le haut du micro! Il y a un rouge à lèvres caché, mais maintenant j'en remets! Parfait! Ça devrait suffire! À présent, retour au chant! C'est vraiment ma chanson préférée du moment! Qu'est-ce qui est arrivé aux lumières? Y a-t-il une menace? Et qu'est-ce que c'est? Qui est là? Et là! Tu es prête à danser? Ouais! Impossible! J'adore les guitares folles! C'est génial! J'adore ce travail! Wouhou! Je me mets dans l'ambiance avec ma guitariste préférée! J'ai fait diversion? Ouais! Maintenant, je vais juste me diriger par là! Attends! Elle est passée où? Oh non! Ça a marché! C'était trop facile! Et maintenant, je vais sortir mon maquillage! Il est temps de faire une retouche sur mon brillant à lèvres. Maintenant, c'est l'heure de s'éclater! Oh, ce travail est parfois ennuyant! Oh, quelqu'un arrive! Laisse-moi voir, tu connais les règles? Pas de maquillage autorisé. Quoi? Moi? Oh, évidemment, je n'ai pas de maquillage. Bon, je ne vais pas te croire sur parole. Mon sac? Oh, bien sûr, tu peux vérifier. Laisse-moi voir.
Attends une seconde, tu te prends pour qui? Donne-moi tout ça maintenant! Bien sûr, tu parles de ça, c'est mon journal! Et voici mon téléphone aussi. Et ça? Ça? C'est du maquillage que tu as essayé de faire entrer en douce! D'accord, je suis désolée, je vais vite m'en débarrasser. Zut! Je n'arrive pas à croire qu'elle m'ait attrapée! Attends une seconde, mon journal! C'est ça la solution! Je vais commencer par découper une section au milieu des pages. Parfait! Comme ça, un beau rectangle. Et maintenant, je vais retirer toutes les pages. Et je veux aussi que ce soit joli. Ce tissu scintillant fera parfaitement l'affaire. À présent, je peux mettre mon maquillage dans le journal. Et voilà, il est temps de le refermer. Maintenant que je suis à l'intérieur, je peux dévoiler mon maquillage secret. Juste un petit relooking et retour à la danse. Qu'est-ce qui se passe à l'avant de la file? Oh non, elle a un panneau. Maquillage interdit. Mais j'ai du maquillage sur moi. C'est paillettes. Je vais devoir faire quelque chose. Attends, je vais simplement les cacher dans ma robe. Oh, c'est vrai, c'est une robe. Ça ne fonctionnera pas. Je vais devoir trouver une autre solution. Bonjour, j'ai un ticket. Je vois ça. Mais est-ce que tu caches aussi du maquillage? Laisse-moi regarder. D'accord, je ne vois rien. Tu peux entrer. Tout est en ordre. La musique dans cette boîte est fantastique. Personne ne regarde? Non, il est temps de sortir le maquillage. Je vais juste enlever ma chaussure. Et ensuite retirer le bon bout du talon. Tada! Et maintenant place aux paillettes, juste un peu sur les deux joues. Excellent, j'adore ce look. Les paillettes dorées sont les meilleures. Paillettes pour tout le monde. Oh, pourquoi ça lui prend autant de temps? Hé! Désolée, je suis en retard. Qu'est-ce que tu portes? Et ton visage? Je vais le couvrir avec ma capuche. Allez, ça ne marchera pas. Entrons juste et passons un bon temps. Bonjour, voici nos tickets. Merci. Oh, waouh! Burk! Bon, vous êtes libre d'entrer maintenant. Hé, c'est une chouette boîte, non? N'aie pas si l'air si morose. J'ai ce qu'il faut. Regarde ce que j'ai fait avant qu'on vienne ici. J'ai émietté ce maquillage dans un petit bocal. Et ensuite, j'ai pris ce désinfectant pour mains et je l'ai vaporisé. Quand il y en avait assez, j'ai mixé le tout jusqu'à ce que tout soit onctueux. Et ensuite, tout était prêt. Place au pinceau. Enfin, j'ai verni mes ongles avec cette mixture. Un peu comme avec du vrai vernis. En fait, j'adore cette couleur. Bon, tu es prête? J'ai juste à frotter mes ongles sur tes paupières. Waouh, cette couleur te va ravir. Dansons. Je vais juste glisser le reste de mon maquillage sous mon pull. Bonjour, je suis prête à entrer. Voici mon ticket. Reste là. Les mains en l'air, s'il te plaît. Oh, d'accord. Regarde tout ce maquillage. Je le savais. Nous avons une politique stricte sur l'interdiction du maquillage. Bon, d'accord, je comprends. Je reviens tout de suite. Oh, je devrais arrêter d'agiter ce panneau si fort. Ok, je vais coller le maquillage sur mon bras comme ça. Et je vais l'enrouler avec des bandages. Tu sais quoi? Je vais sortir le grand jeu. Elle pense pouvoir m'empêcher d'apporter du maquillage? Elle se met le doigt dans l'œil. Très bien, je me trouve parfaite. Bonjour, voici mon ticket. Merci, tu peux entrer. Ouais, j'y suis parvenue. Hé, qu'est-ce qui se passe? Regarde où tu vas. Bon, personne ne me regarde? Non, il est l'heure de se maquiller un peu alors. Parfait, il est temps de profiter de la soirée. Ça va être trop drôle. Restons silencieux. Cerveau! Cerveau! Hein? Cerveau? Cerveau! Oh, oh. Ah! Ah! Oh! C'est moi! La tête que t'as fait! Joyeux Halloween! Il y a de la place pour une sorcière? Allez-y! Yes! Si vous me laissez entrer, je promets d'être sage. Allez-y. Merci. Cette soirée a l'air sympa.
Oh, vous êtes quoi? Une fraise démoniaque? Non, vous ne rentrerez pas. C'est pas juste. Regardez où vous allez. Ah! Ça va? Regardez-moi ça. Mon chef va me tuer. Désolée, je vais vous aider. Hé, ces clous pourraient me servir. Je peux les garder? Bien sûr. Pour commencer, mets du fond de teint. Colle ensuite une feuille de papier, essuie tout. Couvre-la aussi de fond de teint. Découpe soigneusement un trou pour ta bouche. Maquille-toi ensuite la bouche en noir. Et un costume effrayant se doit d'avoir du sang. Passe ensuite les clous à travers le papier et essuie tout. Et... Grrr! Un costume simple et efficace. Il est temps d'aller dans ce club. Je peux entrer? Hé, je vous ai déjà dit non, il me semble. Oh, et maintenant? Ah! Maman! Je prends ça pour un oui. Ah! Du sucre. Oh, je n'ai pas encore sonné ici. Des bonbons ou un sort? Halloween, c'est pour les enfants. Ok, tiens, prends ça. Au moins, c'est équilibré. Une carotte? Tu dois me donner des bonbons ou du chocolat. Mais pas ça! Pas de légumes! Burk! De la salade! Prends ça! Amuse-toi bien à tout ranger! C'est quoi tout ce chantier? Mon jardin! Je vais lui donner une petite leçon. Commence par prendre du sparadrap. Colle-le sur ton visage. Laisse deux trous pour les yeux. Colle ensuite de la gaze sur tes yeux. Ajoute-en sur ton front et sur tes lèvres, en laissant un trou pour la bouche. Colore le tout avec du fond de teint. Peins ensuite tes yeux et ta bouche en noir. Ajoute quelques finitions et... Tu as un magnifique épouvantail. Ah! Oh, attends une minute! Des bonbons! Miam! Délicieux! Quoi? Non, je vais en prendre plus. Assez! Tu veux être puni? T'as oublié tes bonbons! C'est super relaxant. Jolie petite citrouille. Qu'est-ce que c'était? Probablement rien. Il y a quelqu'un? Salut! Je t'ai bien eu! C'est trop drôle! C'est pas cool! J'ai juste besoin d'une boule de pâte à modeler. Je l'étale sur mon doigt. Je mets du fond de teint par-dessus. Je fais une entaille dans la pâte à modeler. Et j'ajoute du faux sang. Un horrible doigt cassé. Parfait. C'est le moment de faire de l'exercice. Trop facile. Attention au monstre. 1001,
ni les deux. Ah! Mon doigt! Ton doigt? Oh! Oh, ça fait mal! Aide-moi! Pas de panique! Je sais dispenser les premiers secours! Ok, je vais t'aider! Mais qu'est-ce que... C'est ta faute! Je t'ai bien eu! On est quitte! C'est pas drôle! Les boissons et les chips sont prêtes! Je n'ai plus qu'à poser ça quelque part! Où pourrais-je le mettre? Je sais! Je vais accrocher ce fantôme ici! Et cette araignée sur le mur? Voilà! C'est bon! Les WC ne sont pas très effrayants! Je dois faire quelque chose! Voilà! Oh, salut les gars! Vous êtes enfin là? J'ai bu mon verre trop vite! Je dois aller au WC! Waouh, effrayant! Je dois vite faire pipi! Là là, mais qu'est-ce que... Ah! J'ai mouillé mon jean et mes baskets! Comment je vais faire? Bon, je dois bien enfiler autre chose. Belle soirée! Oh mon! Qu'est-ce que tu portes? J'aurais dû me raser les jambes avant de venir. Hé! J'adore cette chanson! Que la fête continue! Bang! Bang! Prends ça! Joyeux Halloween, mon chéri! Tu peux m'aider à décorer? Oh oui, maman! Avec plaisir! Allez, petit squelette, va ici! Maman, cette toile d'araignée m'attaque! Ce papier toilette fait vraiment peur! Yeah! Des figures effrayantes sur des ballons! Wow! Attention! Oups! Je le tiens, mon chéri! Ça va? J'ai fini, maman! Ta-da! Oh, merci, mon amour! Tu peux aller jouer avec ton robot! Je sais quoi faire avec ça. Pelle la peau de la pastèque. Taille soigneusement des rainures dedans. En t'assurant de faire tout le tour. Mets-la dans un grand saladier avec deux faux yeux et verse du soda par-dessus. Et voilà, tu as un cerveau flottant dans un bocal. Oh mon chéri! Tu veux un peu de jus de cervelle? Miam miam! Voilà, comme ça tout le monde saura que c'est une soirée sans bonbons. Bonjour collègue de la sécurité. Stop! Stop! C'est impossible, je dois être fatiguée. C'est vrai. Et vous êtes fatigué. D'accord, on va voir si vous savez faire ça. Bien sûr. Attendez une minute. Je dois dire, vous êtes très beau. Ça a marché. Trop facile. Ah, j'y étais presque. Un bonbon. Je déteste les bonbons. Venez là. Pull. Perruque. Je le savais! Ne me regardez pas! Ah! Pardon, il faut que je file! Ne réessayez pas de faire ça! Je crois que je l'ai semé! Je n'aurai plus besoin de ça! Je peux utiliser ça pour passer la sécurité! Casse le sucre d'orge en deux. Utilise de la colle pour visage pour fixer le sucre d'orge sur ta joue. Fais pareil de l'autre côté avec le bout du sucre d'orge. Utilise du fond de teint pour recouvrir la colle. Il faut qu'elle se fonde bien avec ton visage. Ensuite, je vais utiliser du maquillage rouge pour simuler du sang. Fais pareil sur l'autre joue. Ça sera plus réaliste avec du sang qui coule de la plaie. Et maintenant, je me fais jolie. Je vais mettre du fard à paupières. Voilà, c'est super! Il ne me reste plus qu'à trouver une jolie tenue. Bonjour, je suis là pour la soirée.
Vous allez bien? Vous avez l'air... Comment vous avez... J'ai un peu la tête qui tourne. Oh, pardon. Je vous aiderai bien, mais j'ai envie de danser. Tirez l'attention cette année pour Halloween. Utilise de la peinture noire pour le corps pour colorier. Cette forme autour de tes lèvres. Et maintenant, le mélange pour la colle. Verse de la colle liquide dans un bol. Ajoute ensuite un peu de farine. Déchire des morceaux de papier toilette. Mélange le tout. Mets-en tout autour du bas de ton visage. Cette texture épaisse va faire toute la différence. Tu as un faux ongle qui traîne? Coupe-le pour qu'il ressemble à ceci. Prends n'importe quelle peinture et utilise une éponge pour colorer délicatement l'ongle. Tu vois comment elle se mélange? C'est parfait! Maintenant, c'est l'heure de les transformer en dents. Il faut les mettre en dessous de la colle. Ensuite, utilise du fond de teint pour que les choses se fondent un peu mieux. N'oublie pas de faire des lèvres. Oui, tout autour. Puis tamponne tes joues avec une éponge et du faux sang. On n'a jamais assez de sang, pas vrai? Et comme ça... Tu es devenu un chirurgien qui a mal tourné. Ça fait froid dans le dos. Regardez cette superbe fête! Waouh! Son costume est génial! J'aurais bien besoin de passer chez le docteur. Je vais aller là-bas. Salut! Super costume! Il y a seulement la moitié. Oh! Tu as peur de quelques dents? Poule mouillée! Oh, cette histoire est si triste! J'ai besoin d'un peu de réconfort virtuel! Personne n'est connecté? Je me sens si seule! Qu'est-ce que je peux faire? Oh! Regardez-moi cette fille! Comment a-t-elle fait ça avec ses cheveux? Moi aussi je veux ressembler à ma poupée! Commençons par les sourcils. Il faut bien les remplir. Vient ensuite le fard scintillant. Mets-en jusqu'aux sourcils. Mélange le tout, puis ajoute un peu de blanc sous l'œil. Fais une ligne assez épaisse. Regardez ce bel éclat! Ajoute ensuite du marron pour donner de la profondeur. Puis on mélange. Tu vois comme ça va bien ensemble? Mais c'est pas fini! Souligne ton regard avec de l'eyeliner noir. Ajoute-en ensuite un peu en dessous. Fais aussi quelques lignes comme ceci. Tu vois comme elle ressemble à des cils? C'est l'heure de faire un bon vieux contour. Maintenant, sortons l'éponge. Allez! Ajoute du rouge sur tes joues. Et voilà! Maintenant, trace un trait sur tes lèvres, mais pas trop fort. Ensuite, mélange le tout pour donner une belle couleur rosée. Mouah! Cet effet permet de faire ressortir les coins. Là, tu commences vraiment à ressembler à une poupée! Oh, trop jolie! C'est fini! Cette poupée vivante va forcément attirer l'attention! Oh! Y a quelqu'un? On commence un live? Ce sera certainement plus amusant à regarder! Ah. Un peu de café, ma chérie! Elle s'est endormie! Il faut juste la remonter un peu!
Réveille-toi! Oh! Merci beaucoup! Je peux enfin bouger! Tu as vu tout ce monde qui te regarde? Là, ça le fait! Salut à tous! C'est trop drôle! Comment a-t-elle pu rentrer là-dedans? Vous n'avez rien d'autre à faire, les enfants? Pas de ça dans ma classe, compris? Oh, quel rabat-joie! Ils me remercieront un jour. Attends un peu. Oh. C'est dur! Kevin! Le professeur s'est endormi! Tu penses à ce que je pense? Oh oui! Sortons le rouge à lèvres! Trop bien! Chut! Allez! On doit rester silencieux! Il dort profondément, hein? Oh non! Lève-lui la tête! Attention! Je vais juste faire quelques lignes. Allez, j'y vais, franchement. Allez, remets sa tête en place. Parfait. Ouais, c'est trop bon. Allez. On est trop fort. Travaillez en silence. Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Vous devriez être plus concentré sur vos exercices. Reste calme. J'ai une idée géniale pour un costume. Je vais tracer une ligne courbe sur ma poitrine. Ensuite, j'ajoute des bandes brunes et blanches. Après ça, il va me falloir du maquillage orange. Mais pas trop, un peu d'ombre autour des yeux. Et maintenant, il va falloir faire peur. J'utilise un pinceau fin pour cette partie. Vous ne vous attendiez pas à ça, n'est-ce pas? Allons chercher des bonbons. Bonjour! Oh, comme tu es jolie! Bonjour, madame! C'est vraiment adorable! Attends ici, j'ai de délicieux bonbons pour toi! Voilà, ma petite! Vous pouvez les mettre dans ce panier. Un problème? Au secours! Il pleut des bonbons! C'est trop cool! C'est mon jour de chance! Le plus beau jour de ma vie! Aïe! J'ai parlé trop vite! Ouh, ça a dû faire mal! Ouh! Elle dure longtemps, cette chanson. J'ai l'impression d'avoir dansé dessus toute la nuit. Oh, quel ennui. Je vais faire une pause. Je vais m'asseoir là. Ouf, c'est mieux. Je croyais vraiment qu'on s'amuserait plus. Et ce chewing-gum a perdu toute sa saveur. Il n'a plus de goût. Je vais le coller ici. Oh, j'ai une idée. Je vais faire une œuvre d'art. Hein? Hé! Mais qu'est-ce que tu fais? C'est mon chef-d'œuvre. Hein? Non, mais dis donc, enlève-moi ça. C'est quoi le problème? Tu es incorrigible. Je vais te donner une leçon. Je place un coton sur mon œil et je le fixe avec un bout de scotch. Maintenant, il faut que je le cache. D'abord, je vais mettre un peu de colle au latex. Et je laisse sécher, ça devrait suffire. Ensuite, je mets du maquillage par-dessus. J'utilise une éponge spéciale maquillage. Comme ça, c'est bien uniforme. Il faut surtout bien tout recouvrir. Maintenant, j'ai besoin d'un stylo. Je vais dessiner un sourcil avec. Il faut que ce soit réaliste. Plutôt pas mal. Ensuite, un peu d'ombre à paupières. Il faut que les deux yeux se ressemblent. Alors j'utilise les mêmes couleurs. C'est parfait. Ensuite, j'ajoute des faux cils. Mais je les place un peu plus bas sur mon visage. Il faut qu'on ait l'impression que mon œil est fermé. Voilà, je peux décoller le plastique. Mais pas jusqu'au bout. J'ai besoin d'un crayon à maquillage rouge. Je suis la courbe de mon œil. Et je dessine le long de mon nez jusqu'au bas de ma joue. Et puis, je remplis le tout avec du maquillage rouge. Je peins autour de mon œil. Mais seulement la partie visible. Maintenant, je peux ajouter du faux sang. Ça va être sanglant. Et c'est exactement ce qu'il me faut. Maintenant, je peux remettre le plastique en place. J'applique un peu plus de faux sang sur le bord. Je crois que c'est bon. Tout semble normal. Et voilà ce qui se passe. Plutôt effrayant, non? Allons montrer ça à Betty. Excuse-moi. Qu'est-ce qu'il y a, l'intello? Va jouer avec tes petits amis. Il faut qu'on parle. C'est au sujet du chewing-gum. Ah! Il y a un problème? Je vais tout nettoyer! Tu vois, regarde! Gras! C'est mieux? Je t'en supplie, ne me fais pas de mal! Voyons ça, ouais, ça ira! C'est beaucoup mieux! Les ballons sont les meilleurs amis du farceur! Ha! Il arrive! Vas-y, assieds-toi! Merci! Non! Mon repas!
Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Jared? Ah ah! Détends-toi, c'est juste une blague! Oh, j'en ai plus? Je reviens! Oh, comment je vais manger ça maintenant? Donc, les ballons sont les armes de prédilection de Jared? Alors, on va jouer! Je n'aurai pas besoin de ça! Ça rentre parfaitement! Et avec les bons condiments, il ne verra pas la différence! Voyons s'il aime vraiment les farces! Ça y est, j'ai de quoi boire! Quoi? Oh, c'est quoi ce hot dog? Tu m'as bien eu, mec! Très bien! Quelqu'un veut venir au tableau? Oh! Ne me regardez pas! Non, pitié! Je déteste ce genre de suspense! Je n'en peux plus! Jared! Moi? Oh, désolé, frérot! Allons-y! Voyons voir! Oh oh! Ce marqueur est vide! Oh, alors prends-en un autre! Vous en avez plein? Génial! Je vais réessayer alors! Kevin! Quoi? Aide-moi! Je suis mal barrée, là! Voilà! Quoi? Une orange? Attrape! Oups! Et maintenant? Elle rebondit drôlement! Hé! Elle a le rythme dans la peau! Vas-y, petite orange! Mais bon... Qu'est-ce que j'en fais? Ouvre-la et frotte-la! Je l'ouvre et je la frotte. Heureusement qu'elle est bien juteuse. Mon bras est en train de se fatiguer. Et maintenant? Madame Howard? Ça n'écrit toujours pas. Regardez! Il y a vraiment un problème. Fais-moi voir. Ça n'écrit pas? Oh, c'est bizarre! Ok, va t'asseoir. Tu m'as sauvé la peau! Très bien, les garçons. Passons à la craie. Non! Soif! Il y a quelque chose à boire par là? Oh, ça commence mal. Et tu as trouvé ça où? En plus, c'est mon jus de fruits préféré. Je peux avoir une gorgée? Non! Prends-en un pour toi! Pff, quelle radine! Dans ce cas, je vais m'en prendre un pour moi toute seule! Ouais, moi toute seule! À quoi ça avance d'être aussi égoïste? Je devrais peut-être lui donner une leçon. Il me faut juste de quoi rallonger ma paille. Une fois la paille insérée dans le tube, il faut la faire aller le plus loin possible. Et c'est maintenant que le spectacle commence! La paille est bien fixée. Hé, Lily! Tu veux voir une astuce? Comment tu... Je fais passer le jus par mes oreilles! Attends, c'est possible, ça? Ah! Ça ne passe pas par mes oreilles! Tu m'as piégée! Maintenant, je dois me laver les cheveux! J'espère que ça lui apprendra. Noël, c'est le moment de décorer chez soi, d'accrocher l'étoile au sommet du sapin et de sortir ses plus belles tenues. On dirait que ces filles n'ont pas reçu le mot. Ça demande une petite transformation. Oui, c'est mieux comme ça. Alors sors ton pull de Noël le plus ringard. Prends-toi une guirlande et prépare-toi pour une série d'astuces beauté spéciale Noël. C'est plutôt bon. Oh, regarde-toi, en train de manger une salade, un repas si équilibré. Je suis tellement fière de toi. Oh, il y a une tempête qui a frappé le lavabo ou quoi? Tu ne fais pas ta vaisselle. Oh, c'est bon, je vais la faire tout de suite. Tu parles d'un repas tranquille. À quoi est-ce que ce truc me fait penser? C'est moelleux et aéré. Tout
tout comme le gâteau juste ici. Je sais exactement quoi faire. Tu aimes le gâteau? Prends d'abord du colorant alimentaire vert. Mélange-le à de l'eau jusqu'à obtenir un vert foncé. Fais la même chose avec du jaune. Maintenant, tu peux l'étaler directement sur le gâteau. Un côté sera jaune. Mets-en une bonne dose pour que ce soit bien coloré. Et on passe à l'autre côté. Mais cette fois, on utilise la peinture verte. Ça y est, ça te rappelle quelque chose? Une de mes œuvres les plus réussies. Elle arrive. Alors, pourquoi est-ce que la vaisselle est toujours sale? Tu n'as pas bougé d'ici? Oh! J'adore les éponges! Alors ça, je ne m'y attendais pas! Tu n'aimes pas ça? Tout va bien, maman! C'est juste du gâteau avec du colorant, tu vois? Petite espiègle! Tu n'es pas pu m'en empêcher! Du sponge cake! Bonjour, je peux entrer? Laissez-moi vous inspecter. Alors, je crois que vous devriez regarder le panneau. Oh, trop nul! Qu'est-ce que je vais faire? Attention, je passe. Décoration fragile. Reculez-vous. Tous mes amis sont à l'intérieur. Hé, cette guirlande me donne une idée. C'est pile ce dont j'ai besoin. Hein? C'est quoi ça? Poussez-vous, une autre livraison spéciale Noël. Attendez, il y a quelque chose qui ne colle pas. Bouh! Bonjour, ça va? Bon, je vais y aller. J'étais sûre que ça marcherait. On passe au plan B. Ça va être beaucoup mieux. Fais-moi confiance. D'abord, il me faut ce crayon pour maquillage. Je vais tracer le contour de ma paupière comme ça. Ensuite, je vais utiliser un crayon blanc pour tracer d'autres traits. Je vais repasser dessus pour plus d'épaisseur. Utilise différentes couleurs de maquillage pour ajouter des petits détails. Et ensuite, des paillettes. Les paillettes dorées vont super bien rendre. Il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux. Je vais utiliser ce donut. Mets d'abord un gros donut, puis un plus petit. Ensuite, recouvre les donuts avec tes cheveux. Cet élastique va permettre de les maintenir en place. Un deuxième élastique. Il ne me reste plus qu'à enrouler mes cheveux autour. Ça tiendra mieux avec une épingle à cheveux. Et un peu de lac. Un sapin a besoin d'être décoré. Cette étoile est jolie et elle surmontera bien le tout. Je ne me suis jamais autant amusée en décorant un sapin de Noël. Je réessaye maintenant. Dites donc, vous êtes superbe. Quelle tenue! Entrez, allez-y. Oh, merci. Œuvre d'art. J'ai vraiment du talent. Qu'est-ce qui se passe dehors? Salut! Hein? Je viens voir Annie. Bien, vous n'avez pas de maquillage sur vous, j'espère. Moi? Non, je suis beau, naturel. Tout ce que j'ai, c'est cette palette de couleurs. J'adore l'aquarelle. Je ne sais pas trop. C'est vrai que ces dessins sont un peu fades. Il aurait bien besoin d'un peu de couleurs. C'est d'accord, vous pouvez y aller. Tu as réussi! Je te l'avais bien dit. Je t'ai apporté ça. De la peinture? Merci, Joey. Attends, tu vas voir. Alors, tu aimes? Waouh! Donne-moi ça! Merci beaucoup! Il est temps de rendre cette cellule un peu plus glamour. Je trempe le pinceau dans la couleur et je l'applique sur mes paupières. Waouh! Le résultat est génial! Waouh! Tu as l'air superbe! Est-ce que tu pourrais me maquiller aussi? Je ne sais pas. Tu as de quoi payer? Tiens! Voilà pour toi! Ne bouge pas. Ça va être magnifique. Moi aussi, j'en veux. Fais ta queue, les filles. Qui est la première? Toi? D'accord. Trop mignon. Joli. Essayons quelque chose d'autre. Phew! Enfin, c'est terminé. Heureusement, je vais pouvoir me détendre et profiter de mon argent. Alors, comme ça, les tenues classiques sont interdites. Et les tenues de Noël autorisées. Ce n'est pas très festif. Je suppose que je ne peux pas entrer. Une autre fois, peut-être. Ah, une nouvelle soirée à refuser l'entrée à des fêtards. J'adore mon métier. Oh, ça n'est pas bon signe.
Il faut que j'aille trouver à manger. Cette glace est trop bonne! Mais bon, c'est Noël! Bonjour! C'est une glace? Prenez-la, elle est à vous! C'est un miracle de Noël! Merci! Ça me donne une idée! Ne faites pas attention à moi! Waouh! Je suis où? Oh! Oh d'accord, je suis prête! Commence par apposer du maquillage blanc. Une touche de bleu. Et on va mélanger les deux ensemble à l'aide d'une éponge à maquillage. Bon, maintenant, allons vers le plus drôle. Mets du bleu autour des yeux. Ajoute des paillettes aux paupières. C'est joli! Fais pareil de l'autre côté. Utilise une brosse à sourcils pour les colorer en blanc. Un crayon blanc sera parfait pour dessiner les détails les plus précis. On n'a jamais trop de paillettes! Sans oublier les lèvres! Cela manque de paillettes ici aussi! Presque fini! Ah, ça c'est joli! Prête à faire la fête dans 1, 2, 3... Wouh! C'est la meilleure soirée de ma vie! Dis donc! J'adore ta tenue! Tu es incroyable! Bonjour, je suis là pour la soirée! Habillée comme ça? Dans vos rêves! Regardez tous les panneaux! Normal, Noël, normal! Je sais parfaitement ce que je vais faire! Donnez-moi juste un instant! Pas mal, non? Je l'emporte toujours avec moi au cas où! C'est mon jour de chance! Je peux voir ce masque de plus près? Ah oui, d'accord, mais si vous voulez, je peux en faire un pour vous. Regardez bien. Mon masque! J'ai passé des heures à le colorier! Vous n'entrez pas. Vous êtes vraiment rabat-joie. Attendez. Votre pull me donne une super idée. C'est le moment de faire preuve d'imagination. Je vais d'abord me mettre du maquillage blanc sur les joues, le front, le menton et le nez. Ensuite, je vais bien l'étaler pour recouvrir tout mon visage. Étape suivante, prends du maquillage marron pour faire les contours. On peut utiliser une éponge à maquillage pour bien étaler le produit. Ensuite, je vais en ajouter autour de mes yeux. Appose délicatement du maquillage sur les paupières. Pour être plus précis dans les détails, c'est mieux d'utiliser un crayon. Repasse sur les traits tracés au crayon avec du maquillage marron. Il faut que mes cils ressortent. Je vais mettre du maquillage rouge sur mon nez. Ça chatouille. Sans oublier les lèvres. Et maintenant, pour la touche finale. Voilà! Je suis un renne tout mignon maintenant et prête à faire la fête! J'espère que le Père Noël va recevoir mon mail. Me revoilà! Dis donc, ça c'est un vrai déguisement de Noël. Je peux prendre un selfie? Je peux entrer? Oh, bien sûr! Amusez-vous bien! Parfois, le monde est vraiment effrayant, mais il ne faut pas s'inquiéter, c'est juste parce que nous avons eu quelques idées géniales pour Halloween. Quelle est ta préférée? Dis-nous tout dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et abonne-toi à notre chaîne pour découvrir d'autres vidéos effroyablement géniales!